Parmi ton long parcours, un moment donné, tu vendais Gaba à Nino. Je vendais mon Gaba à Nino. J'ai habité à Nino. J'ai fait 10 ans à Nino. Je vendais mon Gaba à Nino. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et puis bon. Aujourd'hui, je regarde pourquoi j'ai arrêté la couture. Je ne sais pas pourquoi. Mais, comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voyaient en train de vendre du Gaba, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Non, mais quand je vendais du Gaba, j'étais rien. Ah ouais? Mais c'est parce que j'avais faim que je vendais du Gaba. Vas-y, Thérèse, donc Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blancs. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des gnaïs, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et elle a donné un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style, cheveux blancs avec raie, et puis vous trouvez rajeuni, tu vois, un peu vivotage. En général, ces gens de femmes, elles sont des petits garçons. Les femmes qui ont ce style-là, en fait. Qui ont les cheveux blancs? Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça va pas chez vous. Vous parlez de qui? Ah, maman. Moi, Bazé. J'ai demandé quelque chose. Moi, Bazé.